suis Angélique Amougou, responsable des médias chez Adamant Media. Anne-Claire Lemarchand, je suis chargée de communication et de marketing digital chez YouScribe. Je suis Arlette Tonia, responsable des partenariats pour Africa Radio Paris. Bruno Guivarch, je travaille chez Orange Monnaie Europe, je suis responsable engagement client. Je suis Françoise Fernandez, je suis en charge du mécénat culturel à la Fondation Orange. Je suis Rein Déby, cofondateur de Nuan. Un concours d'écriture qui a vraiment pour objectif de mettre en lumière, mettre en valeur les talents un peu cachés du continent africain. Réservé à des jeunes écrivains qui ont envie de s'exprimer. C'est une opportunité de mettre en lumière des talents. Le trophée des plumes représente pour moi une belle occasion pour les jeunes plumes de s'exprimer librement et ouvertement. Le trophée des plumes, déjà pour Adamant Media, c'est une opportunité parce que ça nous permet de découvrir d'autres talents d'un autre domaine. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir naître autant de talents et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire toutes vos nouvelles. Il y avait vraiment de l'inspiration, il y avait vraiment de l'émotion. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la qualité de l'écriture. Je crois que sur tous les textes qu'on a reçus, il y en avait au moins 7 ou 8 qui vraiment... Bah, j'avais du mal à les départager parce que vraiment, ils étaient d'une grande qualité. Je dirais que c'est l'originalité et la créativité vraiment de tous les participants. Varié. Je crois que c'est qualitatif. Je dirais l'originalité des textes. Émotion. Diversité. Si j'avais un conseil, ce serait de vous lâcher. Oser, prendre les risques. Continuer à écrire, bien sûr, mais surtout de continuer à lire. Parce qu'en lisant, bah, c'est là où on trouve l'inspiration. Restez vous-même, restez dans la simplicité, c'est ce qui fait votre authenticité. Un conseil pour les prochains participants, si vous êtes amoureux des mots, si vous êtes amoureux de la littérature, si vous êtes amoureux de la langue française, participez. Il faut oser, il faut nous envoyer les textes. Allez sur la plateforme YouScribe, laissez les textes, et puis après, bah, nous laisser faire. Bien sûr, on est prêts, oui, pour la prochaine édition. Bien sûr. Oui, oui, je suis prête pour la 3e édition et j'espère que vous serez hyper nombreux à participer. Oui.